Hello, la Dozo Family, c'est Pidgey, j'espère que vous allez bien. Moi, ça gaze et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Les loulous, vous avez vu, je ne suis pas chez moi, je suis au local. Il y a El Bouzito derrière. Regardez le beau gosse là, il est flou, mais il est là quand même. Mais il y a aussi, bien évidemment, Cossy. Coucou. Coucou, la petite stagiaire de Bouzy. Comment te sens-tu? Ça va? Très bien, j'ai hâte de voir ça. Hein. T'attends pas un truc de ouf? Tu me diras si tu aimes. Parce que les loulous, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, c'est pas forcément un relooking, c'est plus en fait, j'ai toujours kiffé avoir une petite sœur, la coiffer, la maquiller et tout. À ta façon, quoi. Ah ouais, de ouf. J'ai toujours kiffé ça et je me suis dit, mais Cossy, t'es le modèle idéal. Est-ce que ça te plaît? C'est oui, une idée oui. Que tu kiffes ou pas? Oui, oui. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai pris. Tu me diras si tu aimes ou pas. En attendant, vous n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. C'est parti. Générique. Yeah! Aussi, j'ai pris un petit peu toute ma panoplie là, qu'on est clairement le studio de Pidi là en mode salle de bain. J'ai pris un lisseur, ouais. J'ai pris un boucleur, je t'ai pris un peu de lac et tout si jamais tu veux que ça tienne. Je t'ai même pris des bijoux que okay. Tu garderas. Ça sera cadeau. Bien sûr que si. Après, c'est des trucs un petit peu, je pense, qui te ressemblent. Oh, c'est mignon. Il est mignon en vrai, les gars, regardez. En termes de fringues, j'ai essayé de prendre des petites choses qui me ressemblent mais qui est assez classique pour que tu puisses porter. Tu connais Zara? Oui. Bah c'est principalement des fringues de chez Zara. Ce que j'ai pris déjà, il y a un pantalon. Je sais pas du tout si tu vas kiffer. Je mets des habits en vente sur Vinted. Lui j'avais pas forcément envie de le vendre. Mais si ça te va, je te le laisse. C'est un slim que je ne rentre absolument plus dedans. Je crois que ça doit être du 34 ou du 36. Qu'aussi c'était à l'époque où je faisais de ton gabarit. Ah ouais. Je t'ai pris un short. T'aimes bien ou pas? J'ai pas l'habitude. C'est vrai, t'as pas l'habitude, non. Mais justement, ça va être trop stylé parce que du coup, on verra vraiment le avant et le après. Je vois depuis que t'es là, qu'aussi au local, toi, ouais. Ça se voit que t'aimes trop être à l'aise. T'as raison de ouf, regarde, moi, je me suis clairement mis à l'aise aussi, tu vois. Je pense que tu vas être un petit peu en train de sortir de ta zone de confort parce que je t'ai pris un petit short. Je t'ai même pris des collants et tout. Hein. Ah non, mais là, qu'aussi, ça va être le relooking en mode t'es ma jume. Hein. La transformation. Transformation en mode on est jume. Ok. Un petit top noir des familles. Et pour pas que un peu trop froid, je t'ai pris. Ah ouais, c'est toi vraiment genre. Ah ouais, ça c'est tout moi aussi. En fait, c'est tout du noir. Mais ça va apporter un petit peu un côté effet classique et effet bien habillé avec un petit peu les bijoux que j'ai pris. Quand j'étais un petit peu plus jeune, quand je demandais des cadeaux pour Noël, j'ai toujours voulu avoir des poupées à coiffer. Je suis une fanade de ça. Même moi, le matin, j'adore me faire des coiffures et je m'en fais au moins 5 dans la journée. Je sais pas que ce matin, là, je me suis fait des boucles et tout et après au final, j'ai tout annulé. Hein. Je pense que le mieux, c'est qu'on fasse un petit peu tes cheveux, ton teint. Et tout, et après tu mets vraiment les fringues, et comme ça, après la nouvelle Cossy du local. Alors, quoi. Ouais. Mais par contre, comme toi, t'es naturel de ouf et que t'es pas forcément make-upé, je vais pas te make-upé de ouf parce que j'ai envie que tu restes full naturel. T'es prête ou pas? Bah, ouais, j'ai hâte de voir ça. C'est vrai, t'as hâte? Oui. T'as pas du tout l'habitude de mettre ce genre de fringues? Non, moi je m'habille classique, genre. Bah, déjà en plus en cours, on a pas le droit aux shorts et tout, donc. Arrête. Bon, bah, Cossy, c'est parti. Je préfère quoi? Effet lisse ou effet un petit peu bouclette? Comme tu veux, ce qui irait avec la tenue, ce qui te ressemblerait et tout. Ok. Là, Cossy, j'ai carte blanche, c'est ça? Oui. C'est parti, let's go. On va essayer de mettre Cossy en madjum. C'est parti, générique. Le monteur, tu me fais un bête de générique en mode Pidi et Cossy. Elles sont djum, quoi. Cossy, tu veux commencer par quoi? La coiffure ou le make-up hyper soft? Bah, la coiffure, non? Ok, je te fais la coiffure juste maintenant. Ce qu'on va faire, je pense que je vais te faire des boucles et je pense que je te ferai peut-être une petite tresse. Fais-moi confiance. C'est un peu tordu la caméra là, non? Les gars, je me fais recaler par Cossy, quoi. Est-ce que tu connais ce genre de truc? J'ai jamais fait boucle. C'est vrai, t'as jamais vu les cheveux bouclés? Lycée, oui, mais. Ah ouais, Cossy, tu vas être trop belle, hein. Le jour où j'ai des enfants, j'adorerais avoir une petite fille pour pouvoir lui faire ce que je te fais là. Mais hé, les gars, sans prétention aucune, hein, je me prétends pas du tout être mieux que quiconque. C'est juste que j'adore faire ça. Tu sais, moi j'ai un super pouvoir. Ah ouais? Tu m'as dit ça en mode ah ouais? Je crains pas trop le show. T'es prête? Je dégaine mon gun aussi. Je suis jamais vu les cheveux bouclés. Attends, mais j'ai trop hâte de voir du coup. Faut pas que tu te fasses trop spoil. Tu vas convertir tout le monde en bouclé. Oui, ça va être trop mims. Un jour, j'ai fait exactement la même vidéo avec Théa. Je voulais un peu la mettre aussi en madume. Elle avait jamais trop fait de bouclettes sur ses cheveux. Du coup, je lui ai fait des boucles. Elle a kiffé. Elle s'est acheté un boucleur et maintenant, elle s'en fait. Du coup, ça tombe après qu'aussi, tu vas faire la même chose. Mais je sais pas du tout ce que ça donne sur moi. Mais franchement, ça a l'air de bien donner. Hein. T'as des frères et sœurs ou pas? J'ai une sœur. Ah ouais? Quel âge elle a? Bientôt 17 ans. Ah oui, d'accord, ok. Donc, elle est plus âgée que toi. Et elle te fait jamais des petites coiffures et tout?
Non, mais elle par contre elle se boucle les cheveux parfois. Le fait que t'aies postulé là avec le stage, t'as juste envoyé un mail genre? Bouzy il l'avait dit aux The Event là. Il avait dit à 17 000 je prends un stagiaire de 3ème. Ah oui d'accord, ok, je savais pas. Du coup ça. J'ai envoyé un mail et voilà. Mais là toutes les demandes que vous allez avoir. Mais je kiffe trop en vrai, c'est drôle. Arrête. Y'en a une pour moi ou quoi? Non. Non. C'est la mienne. Putain, ça a été vite, c'est parti d'hier. Les gars, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description de Regalous. Tu connais Regalous ou Pag aussi? Bah bien sûr. T'as pas la même couleur de cheveux aux racines et aux pointes? Avec l'effet bouclé, ça fait trop beau, je trouve. C'est qui la personne avec qui tu t'es le mieux entendu là pendant ton stage? Bouzy? Tout le monde, enfin... Mauvaise réponse. Vous êtes tous gentils. Est-ce que t'as eu des messages de tes copains en mode « Ouais, fais-moi de la pub ». Pas de la pub, mais ils veulent des dédicaces. Et pourquoi le pseudo Cossy? Comme mon prénom c'est Colline, ça commence par C, et après je sais pas du tout. Pourquoi toi Pidi? Mon frère jumeau il m'appelait toujours Pidi, je sais pas pourquoi, parce que ouais. Dans ma classe et tout on a commencé à m'appeler Pidi, et j'étais un peu en mode arrêter, oui. Et au final j'ai grave kiffé, du coup bah je me suis appelée Pidi sur les réseaux. T'as écouté mon nouveau son ou pas aussi? C'est toi? Ça fait que de chanter. C'est toi. T'as pas fait de réaction dessus, j'attendais une petite réaction hein. J'avais pas fait. C'est de mieux en mieux je trouve. C'était déjà bien mais ça se voit, tu fais que t'améliorer. Oula, tu me jettes des fleurs ou quoi là? Ah ça fait trop beau. Les loulous, je vais vous montrer un petit peu la coiffure, regardez-moi ça. En vrai ça te va archi bien, j'adore. Tu seras honnête si tu aimes ou pas aussi. Là on va essayer de te faire un petit make-up mais vraiment hyper sobre. J'ai pas envie de me faire engueuler par Christophe après hein. J'ai une petite éponge, celle-là elle n'a jamais utilisé, c'est nouvelle. Si jamais tu te maquilles pour les prochaines années et tout, c'est très pratique pour se maquiller. Ben, merci hein. Tu t'es déjà maquillée ou pas? Oui. T'aimes bien quand on prend soin de toi ou pas? Bof, t'imagines tu me dis non je déteste. Ça doit faire bizarre. Mais j'ai pas l'habitude ouais. Je t'en mets un peu sur ton petit pif. T'as vraiment une peau de bébé hein. Là je te mets un petit peu de poudre, c'est du blanc. Ça s'appelle une petite poudre libre. Les gars ça fait trop genre je m'y connais alors absolument pas. Mais toi c'est naturel aussi en vrai ton maquillage. Si je fais naturel c'est parce que je sais pas forcément hyper bien maquiller. C'est pour ça, tu vois quoi? Mais je pense que si j'avais un petit peu plus d'expérience, je tenterais des trucs de ouf peut-être. Ça va, je pue pas de la gueule? Non, mais... Je vais te mettre un petit peu de mascara, mais pas de ouf. Dans un classe, il y a des filles qui se maquillent ou pas? Un peu, oui. Franchement, les loulous, je lui ai fait trop un truc hyper soft, mais hyper naturel. T'as un visage un petit peu plus illuminé. T'essayes tout, tu vois avec quoi t'es le plus à l'aise. Le outfit le mieux, le short avec le collant. C'est pour ça que j'ai mis ça, Cossy, parce qu'on va être carrément djume. Tes fringues, Cossy, pour le petit relookage en mode je mets Cossy en ma djume. Et on verra le résultat, hein. Vas-y, à toutes. Les loulous, Cossy, elle vient d'arriver. À vous, elle est trop mime. C'est une mini. Et le pape qui dit, elle est chouquette, là. J'ai l'impression d'être toi. Voilà. C'est vrai? Putain, ah, ouais. Ça te va bien en vrai, hein. Regardez ses cheveux, comment ils sont trop beaux. J'ai pas vu, moi, les cheveux. Ah ouais, bah vas-y, regarde-toi. Je me reconnais pas. Moi, j'aime bien. Je pensais qu'il allait être plus... Il est large. Hein. Ouais, mais en vrai, c'est pas choquant. Ça va, les cheveux, en vrai, ça va. T'aimes bien oui, les cheveux? Oui, en vrai, ça va, ça va. Tu vois, ça, c'est un peu grand, mais en vrai... J'ai pris du XS. Faudra manger plus de burgers avec Valouz, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te ressemble quoi, c'est... Ouais. J'ai l'impression que c'est toi. C'est Minipide. Franchement les cheveux ça te va trop bien hein. C'est ça que je te disais avec les... la couleur différente des cheveux, franchement les boucles ça te va trop bien. Mais ce que tu peux faire éventuellement c'est garder ton pull et te laisser en mode loose. Qu'est-ce qu'il y a Fab? Tu veux je te prête mon expression? Le chouquette? Bah Cossy t'es trop chouquette. En fait moi des fois j'aime bien faire les styles décalés. Genre là par exemple bah j'ai mis un hoodie, c'est censé être chill. Mais tu vois j'ai mis un short en cuir. J'aime bien un peu décaler les styles. Alors? Moi j'adore. Mais là ça ressemble déjà plus à ton style Cossy. Avec le sweat. Ouais avec le sweat. C'est vrai que ça fait grand mais ça choque pas je trouve parce que ça fait un peu assez jupe. Ouais. T'es trop éloigné de ce que tu mets d'habitude du coup tu sais pas trop encore te positionner quoi. Ouais voilà. Petite tresse et tout. Petite tresse et tout. Non mais attends là Cossy t'es prête pour aller au resto, moi je te le dis hein. Une petite note là un petit peu sur la Cossy en moi. Allez 8. 8 oui. Oh franchement je m'attendais à moins. Parce que c'est juste que moi, t'as pas l'habitude. Ouais voilà. En tout cas sache que ça te va très bien et j'adore les cheveux vraiment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ou pas ce petit style. Moi Cossy j'adore. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. On va aller manger. Plein de gros bisous. Mouah. Ciao.